Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo review d'un bouquin qui se nomme Les Sigils, traité de magie pratique, les clés du succès de Frater Udi. C'est un bouquin qui est sorti aux éditions Chronos Arena qui sont... une édition, une branche, pardon, des éditions Alliance Magique. Donc c'est un bouquin dont je voulais vous parler parce que, et ben en fait, je l'ai vachement aimé. Donc il est pas très épais, il coûte 18 euros, mais je trouve qu'il vaut le coup. Moi je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les sigils. Donc pour moi c'était hyper intéressant de l'obtenir. Alors à savoir que je travaille beaucoup avec les sigils depuis un moment. Ce bouquin je l'ai lu il y a déjà un moment aussi. Donc je m'en souviens moyennement, même si c'est un bouquin dans lequel je pioche assez régulièrement, ce qui fait partie de ces bouquins qu'on ne fait pas que lire, qui deviennent des outils. Mais bon, je vais essayer de vous en faire une review la plus fidèle possible des souvenirs que j'en ai. Tout ce que je sais, c'est qu'en tout cas, c'est des souvenirs extrêmement positifs que j'en ai. Si vous débutez avec la magie des sigils, je vous le conseille. Si vous ne débutez pas, je vous le conseille aussi. Donc déjà, c'est un bouquin qui met en lumière l'histoire un peu de la sigillographie, si je peux dire. Donc notamment en vous parlant de Austin Osman Sperr, qui a théorisé finalement les sigils et qui a donné vraiment un élan de la pratique moderne des sigils. Avant toute chose, je vais vous lire la quatrième de couverture. Practical Sigil Magic est largement considéré comme l'un des guides les plus aboutis sur le sujet, très recherché par de nombreux praticiens en magie. Cet ouvrage indispensable est enfin disponible en français pour la toute première fois. La magie des sigils est l'une des disciplines magiques les plus efficaces, mais aussi l'une des plus accessibles quand elle est correctement maîtrisée, pouvant être pratiquée sans rituel compliqué ou attirail onéreux. Elle est en outre indépendante de concepts philosophiques et dogmatiques et peut être apprise facilement et rapidement. Plus important encore, cela donnera aux débutants la chance de travailler avec le pouvoir de la volonté et d'améliorer leurs propres capacités. Cet ouvrage de référence fournira à tous, du novice à l'adepte, des instructions qui leur permettront de faire progresser efficacement leur pratique magique. Et je suis très d'accord avec ça. Donc pour en revenir à notre petit sommaire, donc on a une introduction, on a cette fameuse partie Austin Osman Sperr et sa théorie des sigils où là effectivement quand j'ai lu ce bouquin je me suis dit oui, et ben c'est intéressant de savoir d'où ça vient quand même. Ensuite on a l'approfondissement de la méthode alphabétique. Donc en fait l'idée c'est que ça vous propose quand même un large panel de fabrication et d'utilisation des sigils. Alors moi j'avais déjà ma propre méthode lorsque j'ai commencé, une méthode qui d'ailleurs se trouve ici. Mais du coup ça m'a ouvert sur d'autres méthodes qui sont peut-être parfois plus adaptées à certaines situations. Donc j'étais ravie d'apprendre de nouvelles méthodes, donc notamment voilà, cette méthode-là. Donc à partir des carrés magiques planétaires. C'est une méthode un peu plus compliquée, mais j'étais ravie de l'avoir ici. Donc approfondissement de la méthode alphabétique. Et je vais pas y arriver ce coup-ci. Faudra faire avec une vidéo vraiment pitoyable. La transe magique, activer le sigil. Donc voilà, on a les méthodes d'activation du sigil qui ne sont pas des méthodes de magie plan-plan, de paillettes, de roses, de fleurs et de licornes qui chient des arcs-en-ciel, excusez-moi. Là, on est sur...
j'aime pas tellement le terme, mais en même temps je trouve pas mieux, on est sur de la vraie magie, de la vraie pratique magique, sans chichi, sans TikToker et sans mode. Alors ouais, la transe magique, activer sigil, c'est pas des méthodes très, très conventionnelles et c'est pas des méthodes qui conviendront à tous ces Instagrammeurs, Tumblr et autres TikTok de flacons magiques, je ne sais quoi, avec quartz rose. Là non, on n'est pas sur ça, on parle de magie sexuelle, on parle effectivement de transe, on parle d'état second, on parle d'une activation qui est parfois difficile. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, il nous parle de la méthode picturale, de la méthode mantrique, de l'alphabet du désir, travaille avec la nostalgie atavique, mais comment ça marche, créer des sceaux à partir d'un carré magique planétaire, la conclusion, le glossaire et la bibliographie. Donc, voilà, c'est vraiment un ouvrage que j'ai adoré. Donc déjà, avoir ce retour sur ce qu'est un sigil, d'où ça vient, qui l'a théorisé, comment ça s'est mis en place, etc., nous proposer les différentes méthodes, donc moi ma méthode s'apparente plus à celle-ci, la méthode alphabétique, une méthode que j'ai plus ou moins, enfin que j'utilise plus ou moins cette même méthode lorsque je crée des sigils runiques. Approfondissement de la méthode alphabétique, donc là on va un peu plus loin, la transe magique, donc là c'est là où on parle de l'activation des sigils avec notamment la magie sexuelle. Et les histoires de trans et d'état second, d'état limite. Là, on a la méthode picturale que je n'utilise pas, enfin que je n'utilisais pas du tout et que je commence peu à peu à inclure depuis cet ouvrage. La méthode mantrique, alors ça c'est une méthode d'activation que c'est celle que j'utilise principalement, mais pas que. Donc voilà, on a un large panel d'informations sur les sigils que je trouve vraiment super super super. Si vous n'y connaissez rien, si vous y connaissez quelque chose mais pas suffisamment bien, enfin bref, c'est vraiment un petit bouquin mais qui fait vraiment 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 le taf. C'est vraiment super sympa. Après, ben voilà, visuellement, il n'y a pas de travail de ouf, mais on s'en fout. Enfin, ça suffit largement. J'aime beaucoup la première couverture, cela étant dit. Et si je devais trouver un seul point négatif, peut-être... ouais, peut-être avoir parlé de la... Inclure les runes ou l'OAM en tant que système pour création de sigils, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un plus. Cela étant dit, au vu de la mode et du peu de recul et de protection dont les gens font preuve avec ces outils-là, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée finalement. Parce que c'est vraiment la porte ouverte au tout et n'importe quoi si c'est mal fait. Mais voilà, si j'avais des plus à ajouter, ce serait peut-être ça. Mais franchement, je vois pas spécialement de points négatifs. C'est une écriture un peu vive, un peu dure, je trouve. Mais j'aime bien. Je trouve que ça correspond à la magie des sigils. Je trouve que l'ambiance qui règne dans cet ouvrage correspond vraiment au travail avec les sigils, contrairement à ce qu'on peut croire. Moi je trouve pas spécialement que ce soit une magie très douce, au contraire, et je trouve que ce qui est assez sympa, c'est que justement cette ambiance là dans laquelle on est, une ambiance c'est assez dur, assez sombre, voire un peu glauque parfois, dans la magie des sigils, en tout cas c'est comme ça que je la ressens. En fait je trouve qu'on la ressent dans ce bouquin, et en fait j'aime bien parce qu'on est raccord avec le thème, donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment un bouquin que j'avais envie de vous présenter, parce que la magie des sigils est un petit peu prise souvent... comme ça, comme une magie facile, tout ça. Alors pas forcément, c'est une magie pratique, c'est une magie peu onéreuse, c'est une magie rapide,
mais c'est pas forcément une magie simple et c'est pas forcément une magie à la portée de tout le monde, notamment sur l'activation. Voilà, je trouve que ce bouquin rend bien compte de ce qu'est le travail avec les sigils. Et voilà, je vous encourage à le lire si vous voulez débuter une pratique comme celle-là ou en poursuivre une, parce que moi, effectivement, qui travaille avec ça, j'ai été super surprise de ce livre et on ne cesse jamais d'apprendre et j'ai appris pas mal de trucs dedans, donc voilà. Super ouvrage, j'en suis contente, je le recommande. Il me semble qu'il est toujours disponible hein, sur le site des Alliances Magiques. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu en librairie, mais il est toujours sur le site, donc je vous invite à le commander si ça vous intéresse. Donc 18€, Chronos Arenan, branche des Alliances Magiques. Voilà. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous et bonne lecture.